Salut tout le monde, c'est Monsieur le Player. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une explication, donc pour savoir changer sa voix sur Skype. Alors tout d'abord, il va vous falloir le logiciel CloudFish. Donc vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez CloudFish, voilà, c'est le premier, donc je vous le mettrai en lien. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, donc quand vous voulez pour un Windows, un XP Vista ou 7.8, voilà, donc pour PC normal quoi, vous prenez ça. Si vous avez un Mac, vous prenez ça. Si vous avez un Linux, vous prenez ça. Sinon, donc vous faites download, si vous avez un normal, et vous le téléchargez ici. Donc alors, sinon, donc ça, je ferme, je le mettrai dans la description. Alors, vous allez donc sur Skype. Pour là normalement vous allez pas entendre comme ça va faire, alors je vais appeler le test Skype test echo. Donc alors après là vous auriez ça, donc vous faites clic droit, ensuite là vous avez voix voice changer et vous faites voice, et là vous mettez la voix que vous voulez, mais vous voulez, donc moi je trouve mal c'est mieux, donc là je vais mettre mal, donc j'appelle, au pire je pourrais changer. Donc alors bon là c'est... Alors, donc là je crois que vous allez mal entendre, mais bon. Salut, c'est Monsieur le Player. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est pour vous. Donc, alors voilà, j'espère que vous avez entendu. Sinon, qu'est-ce que vous avez encore donc? Vous faites de nouveau ça, après vous pouvez de nouveau changer. Donc vous faites, donc là c'est pour entendre, je crois, la voix. Et ça c'est la, ça, c'est la musique. Donc je décoche. Alors, sinon, vous pouvez encore faire des échos. Déco multiple, ça c'est que normal, éco multiple, disable, je sais pas trop. Sinon après là, bah, vous avez la voix de bébé, hélium, femme, mâle, robotique, dame, temps, si j'ai bien compris. Après alien, atari, je sais pas. Sinon après vous pouvez mettre de la musique, sauf que je sais pas trop comment ça marche. Mais bon, après, je vous montre juste un peu comment ça marche, enfin la base quoi. Donc voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis, ciao!